On va sûrement en avoir assez pour faire une tarte bientôt, hein? Oui, ça se fait des tartes aux pommettes. C'est un peu plus sec, par exemple. Alors, j'ai une super idée aujourd'hui. Ouais, encore en train d'aller dans le bois. Mais là, c'est pas pour une chasse aux araignées. Non. C'est pour... J'ai une super idée. C'est pour faire des... En tout cas, il y a toute une histoire qui m'est venue en tête, toute une raison, je vais sûrement vous raconter en me faisant. Faire des abris pour les petits animaux. Ouais. C'est comme balancer l'équilibre un peu. Alors, on va aller faire des abris pour petits animaux. Je parle d'outils, à part peut-être une cuillère pour creuser un peu. C'est de faire des petits abris un petit peu partout. À l'abri des chiens et chats le plus possible. On est près des villes. Et c'est cela. Alors, on part faire des petits abris et il pleut. Il pleut pas beaucoup. J'espère qu'il pleuvra pas plus que ça. Ah! On est déjà arrivé. Ah, encore une fois, on se dirige par les bois. Et avec la pluie qu'il y a, on regardera pas trop les araignées puis les insectes qui vont sûrement être cachés bien à l'abri. Est-ce qu'il va arriver quelque chose? Je sais pas, hein, vous savez. Comme je l'ai déjà dit, je planifie quelque chose. Je me fais une idée. Parce que moi, je pars pas sans avoir une idée. Et je ne la prends pas sur YouTube, mon idée. Il faut que ça vienne de là. En aucun cas, je vais copier une personne. Ça va me... Non. Je suis trop fier pour copier les autres. Parce que justement, moi, j'ai de l'imagination. Alors, je fais des idées. Les autres me copient. Et des gros YouTubeurs, même, qui prennent mes idées. Je suis comme... comment ils osent, moi, avec mes 50 abonnés? Lui, il a genre 100 000 abonnés. Pour moi, c'est beaucoup, 100 000. Mais pour d'autres, c'est peu. Et il fait mon idée. Je suis là. Ouah! Et... Mais il n'a pas le droit. Ben oui, il a le droit de prendre mon idée. Ben évidemment, il a du copier à 100% et juste prendre une idée parce que c'est une bonne idée. Parce que lui, il a plus d'idées à force d'en faire. Mais moi, j'ai des idées en masse parce que je me coince pas dans un... style. Vous savez, quand on se coince dans... Ah, oh, moi, je vais juste faire des vidéos scientifiques. Ah, oh, moi, je vais juste faire des vidéos d'exploration. Ou ah, oh, moi, je vais juste parler de survie. Ou ah, oh, moi, je vais juste parler des animaux de la maison. Ah, oh, moi, je vais juste faire des dégustations. Moi, je vais juste faire des challenges. Ça. Si tu fais ça, c'est sûr qu'à un moment donné, ça tourne en rond. L'un copie l'autre. Puis ça revient tout au même. Tu as vu une vidéo, t'en as vu 10. Alors, moi, ce que je suggère, c'est de faire ce que vous voulez. Tout simplement. Si les gens vous aiment, vous, ils vont vous suivre, vous. Alors, j'espère qu'il y a du monde qui m'aime, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est pas grave. Le gars fait pitié. Alors, il y a des nouvelles fleurs. On l'a vu, ça, dans ma vidéo ASMR à minuit. Il était vraiment passé minuit. Mais c'est pas ici que je vais mettre des abris parce que je veux pas que les animaux viennent s'abriter proche de la ville. Pas trop proche en tout cas. Parce que c'est pas pour la sécurité. Comme je dis, il y a des chiens. Il y a des gens, des randonneurs qui se promènent beaucoup avec leurs chiens. Alors je vais essayer quand même d'être un peu loin des sentiers. Oh! Et je suis pas le seul qui se promène même sous la pluie. Donc, je vous reparle un peu plus loin quand j'aurai trouvé un endroit pour faire un premier abri avec le matériel qui va être déjà sur place dans la nature. Et puis, j'invite les enfants, les jeunes, les ados, les adultes à le faire et à le suggérer aussi dans leurs vidéos. Mais ce serait gentil par contre de le dire que l'idée vient de Zionzik.
Je vais pas vous voler des abonnés, là. J'en ai même pas encore 50. J'attends mon 50e abonné depuis 3 mois. Donc arrêtez d'avoir peur. Les fleurs que j'aime, que je montre souvent là. Ah, ça y est, je suis déjà tout cramp pour avoir marché là-dedans. On continue. Voilà un petit peu plus loin. Il mouille de plus en plus. J'espère que ça va se calmer. Ben, j'aime bien, c'est une petite pluie d'ours là. Je suis pas encore assez détrempé pour partir, mais c'est sûr que je pourrai pas prendre mon temps. Il va falloir que je fasse ça un peu rapidement. Bon. Alors, je suis rentré dans la forêt. Je me suis bien trempé les pantalons et j'ai trouvé un tas ici de branches qui pourra aider pour faire un abri pour un petit animal. J'ai ici un peu de matériel, des bûches et d'autres branches. Je ne sais pas si je pourrais attacher ça. Attacher mon cellulaire après cette corde. Hein? On s'organise comme on peut. C'est à l'abri de la pluie. Ouais. C'est trop haut, par exemple. Hein? Je voudrais que ce soit plus bas que ça. Je voudrais que ce soit ici. Là. Juste là. Je vais m'en servir. Je pense pas qu'il y ait d'inconvénients. Est-ce que je baisse cet indicateur un petit peu plus bas? L'appareil est à l'abri de la pluie. C'est pas la première fois que je vais dans le bois quand il pleut et que je me retrouve détrempé. Je ne vais pas mourir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Faut que ça filme juste là. Sans tomber, s'il vous plaît. Sans tomber. Comme ça. Donc, cet abri-là pourrait quasiment faire un abri pour moi, tellement qu'il est grand. Alors, j'ai un petit mélange maison. Céréales, nourriture pour chat de qualité, de bonne qualité,
avoine, riz soufflé, du riz, des petits fruits séchés, du maïs, des graines de tournesol, des graines de citrouille. Regardez. Mes hamsters aiment beaucoup ça. J'ai aussi des raisins secs et toutes sortes de choses. J'ai oublié de faire une toiture. Hein? Oh! La belle branche pour terrarium, ça. Ici et même un banc, je pourrais me mettre moi-même dans cet abri là quasiment, hein? Je peux pas trop m'asseoir à terre parce que vous avez compris, c'est tout trempé. Alors on va y mettre un petit peu d'aliments. À l'abri de la pluie. Il y a des petits oiseaux qui vont y aller, c'est sûr. Là. On a ici une table avec de la bouffe à l'abri de la pluie. Ah. Voilà. Je sais pas qui va y aller, mais. Ça, c'est l'hôtel de luxe. Bon, allez, on y va pour un autre abri. C'est entouré d'un grand sapin. Entouré de sapins comme ça. C'est bien, bien, bien. C'est un gros abri, celui-là. On repart.
un peu plus loin pour trouver un autre endroit qui serait idéal pour faire un abri. Ça n'a pas besoin d'être bien gros comme ici. On a un petit creux, un petit espace. Voilà, un petit creux. Et on a du matériel. On va y faire un toit dans ce petit creux. On a même des arbres à fruits autour. On a vu un petit fruit qui est tombé. C'est une entrée. Ah, il y a des enfants. Des enfants qui jouent dans les bois. Alors, on a un autre petit abri tout mignon. De nourriture cachée ici dans le coin. Voilà. Celui-là, il est plus discret parce que quand on se lève, voilà. Un petit abri là. Oh, il mouille de plus en plus. Oh là là! Allez, on va avancer. Oh, ici aussi. Ici aussi, on a du matériel. De la branche, de la bûche. On peut tout simplement joindre des bûches ensemble pour y faire un abri. Il pleut de plus en plus. Je vais mettre mon cellulaire dans ma poche. Ensuite, je vais vous montrer ce que je fais avec la pluie est beaucoup plus forte. Alors, j'ai des problèmes à filmer. J'ai pas le temps de faire grand chose. La pluie a monté d'un coup. Et... oh! J'ai vu des framboises. Des framboises. Encore en train de manger le bonhomme, hein? Yum yum yum. Parce que je me suis ramené un petit pot. Alors c'est ça, il pleut à mort. Il pleut des cordes, comme disent les vieux. J'aime bien les vieilles expressions. Les framboises. Oh là là, je me sens comme un ours sous la pluie en train de cueillir des petits fruits. J'ai même pas faim, c'est ça le pire. Je mangeais deux grosses toasts au pain brun avec multigrains. Avec de la confiture de fraises, de la frisonnée. Beaucoup de confiture, puis de les arachides croquants. En beurre d'arachide croquant. Oh, puis j'ai chaud, puis je tremble en même temps. C'est ça qui est chiant. Je suis vraiment inconfortable en ce moment. Oui, on n'est pas dans un sentier, là. Ah! Alors, je vais aller par ici à l'abri des arbres, parce que là, je ne suis pas à l'abri des arbres. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des petits fruits. Donc, je vais juste... je ne ferai pas d'abri ici, parce que je suis moi-même pas à l'abri. On va aller sous
Ah ben je retourne sur mon chemin. Hein? Ma super, ça je vais l'appeler le Beach Hotel. Le grand hôtel, plutôt le grand hôtel de luxe. Et oh. Un abri sous un sapin. Je sais pas si ça va se calmer parce que c'est très sombre. Allez, on fait un dernier abri. Je suis pas venu ici pour rien. Tiens, je me place à l'abri ici. Et que je fais un abri. Un abri à l'abri. Non, c'est trop facile. Ah! Voilà un abri. On n'y a pas pensé. J'ai pas Oui. ma lampe. Alors, c'est assez creux. Ça, c'est un pic-bois qui a fait ça. On va y mettre des petites graines. Pas un gros abri, c'est pas. C'est pas super sécurisé, là, mais. Alors, c'est quand même assez. Ouais. Oui, moi je suis dans la pluie, par-dessus la tête, pas à l'abri du tout, en train de créer des abris pour les petits animaux. Oh, j'aurais pas dû secouer l'arbre. C'est pire. Celui-là, il est du tremble. Allez, on sort. J'ai quand même une bonne idée, hein? Oh, j'ai encore touché un arbre. Et là, toute la pluie accumulée de l'arbre te tombe sur la tête. On a un autre petit abri ici. Je vais enlever le polluant. Ah, ici, c'est quand même assez intéressant. C'est déjà un bel abri. Je vais aller y mettre une petite ajout, là, une petite branche autour. Il n'y a pas grand branche autour. Ah oui, j'en vois une ici, là. Ça. On va juste y ajouter du supplément pour la toiture. Et percer un peu. Alors voilà. Alors là, si on voit là, on a un petit animal au sec, on a un petit arbre pour le cacher. Je sais probablement qu'il y en a déjà à l'intérieur, des petits animaux. Je vois beaucoup de fils d'araignée. Il peut y avoir une araignée énorme et très rare. Mais là, je suis pas là pour l'observer aujourd'hui. Vais y en mettre un peu par là. Tiens! Alors, je ramasse la pollution. Je vais refermer mon plot. Et voilà. On a quand même. Je vais juste y ajouter. Ici. Cacher un peu. Voilà, ça va sécher là-dessus. Alors, non, ça c'est une racine. Ok, c'est pas mal tout ce qu'on a autour. Alors, parfois il suffit juste de faire un petit toit en ajoutant des branches. On va aller filmer l'intérieur pour le fun. Voyez-vous quelque chose? Une vraie grotte. Alors, je pense que ça va être tout pour cette petite vidéo. Une courte vidéo de faisage d'abri. Je t'étourdis quand je me relève comme ça. Alors, il y a des insectes qui ont de la misère à cause de la pluie. Je vois des petits papillons voler avec difficulté. On s'en retourne. Oh. Je suis enchevêtré et bien trempé. Oh, framboise.
Je voulais aller aux framboises en plus. L'affaire, c'est que ça prend un pot parce que je les mets dans mes poches. Ils vont tout être écrasés. Bien meilleur que des jujubes, ça. Il y a plein. Non, celui-là, sous la pluie, il va briser. Allez, ciao! Je voulais juste vous montrer l'ampleur de la pluie. Je vais aller me faire un bon café. Juste une dernière chose, je suis arrivé chez moi. Alors, première chose qu'on fait quand on est trempé comme ça, c'est de pas rester trempé. Surtout qu'on est à l'abri, faut mettre des vêtements secs. Alors, ça, ce que je vais faire des vêtements secs avant de me faire mon café, bien entendu.